certains projets qui cadraient dans ce grand concept qui nous dit « Greening the Planet ». Il y a beaucoup de gens qui croient que « Greening the Planet », c'est seulement plant de pied, c'est seulement nettoyer. Il y a beaucoup d'autres qui se disent. Et aujourd'hui, ce que nous voulons faire, nous voulons que les gens fassent business parce que dans mon activité humaine, ce qui est plus important, c'est ce que nous disons « businesses ». Alors, tout ça, mon instance-là, vous êtes bien capable d'adopter une philosophie. C'est que nous dire qui amène vous vers un changement, développement durable et soutenu. Et ça fait à travers un concept très clair. Aujourd'hui, nous donnons un grant, un chèque, grâce à nous, un bienfaiteur, pour qu'ils aient projet démontrer la réalité en termes de nous mouvons vers ce que nous dire gère tout bon problème lié à l'environnement. Pas seulement au niveau verdure, pas seulement au niveau nettoyage, mais aussi au niveau commerce et production. Parce que nous voulons que la production qui est là, production là, il est durable. Mais là, aujourd'hui, il y a un assiste qui nous bénéficie. Nous sommes contents que les autres bénéficient, mais il ne faudrait pas oublier que ce projet-là, c'est un projet pilote. Alors, l'effet d'un projet pilote, nous l'a démontré que si faire confiance à un Mauricien capable de montrer d'autres à la hauteur de sa confiance. Alors, ce projet-là, il pouvait s'y mettre pour les autres Mauriciens, qu'il y a Rodrigue, qu'il y a Galega, Saint-Brandon, n'importe où, vers une progression de ce qu'on appelle un switch vers greening Africa and through greening Africa, greening the planet. Quand on dit switch green, il concerne tout le monde, pas juste l'hôtelier, pas juste propriétaire de l'hôtel ou bien travailleur de l'hôtel, c'est pour le pays. Et ça, un projet qui nous a déjà fini de commencer depuis 3 ans de cela. Hein? Nous encourageons tout bon hôtelier dans nos petits et moyens groupes catégories. Switch to green, comment avant tu peux faire. Nous prenons un simple exemple, salle de bain, partout l'hôtel tu peux électrique ou bien gaz. Là, nous pouvons encourager à mettre sur feu solaire. Là, nous pouvons encourager tout ça, toi, tout bon hôtel grand, chacun a un toit. Nous pouvons encourager à mettre photovoltaïque. On peut dire, un simple exemple, côté moi, l'hôtel Manissa, moi, on a 50 là, 100. 50 l'ensemble tout couvert, on peut produire 45 kVA électricité. Quand il peut couvrir mon cost, mon électricité, alors c'est ça l'initiative, SM, projet qui nous soumettent UNDP et qu'ils ont trouvé intéressant. Même dans le grand groupe, pas encore commence à faire, mais nous, dans le petit moyen, nous pensons et qu'ils nous finissent faire. Nous le preuve à l'appui qui nous déjà fonctionner. Alors c'est pourquoi que UNDP approuve nos projets. Pour moi, c'est un grand plus parce qu'il nous parle de 10 millions. Donc pour supporter sa politique actuelle, vision du gouvernement pour une île Rodrigue durable. C'est-à-dire mon projet est pour contribuer beaucoup dans bioagriculture, éco-packaging, tout ça. Donc, pour moi, c'est un grand plus pour aller de l'avant et supporter la vision du gouvernement pour une île Rodrigue verte et durable.